Ok, Parashat HaShavua, Parashat Kitissa, c'est Zohar Torah est offert pour le Zivugagun Vetor de Jenny Bat Étoile, pour la Refoua Shelema de Myriam, de Maryse Myriam Bat Rana et d'un enfant, Efrat Rina Mesaouda Bat Odrechana, Bezrat Hashem. Alors c'est une paracha qui vient faire un petit peu la coupure entre les parachutes d'avant et celles qui suivent puisqu'elle parle du Mishkan. La paracha de Kitissa vient faire une petite parenthèse et on va faire un flashback d'après Rashi. C'est pas tout le monde qui dit que ça s'est passé dans cet ordre, mais en tout cas on va suivre l'opinion la plus répandue, celle de Rashi. On fait un flashback sur ce qui s'est passé par Parashat Yitro, donc quand Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah au Bnei Israël. Donc je ne raconte pas tous les détails de la paracha, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler évidemment du veau d'or. Donc je raconte l'histoire, je vais après la contextualiser, du moins on va essayer, et on va faire une analyse intéressante dessus. L'histoire, c'est très simple. Moshe Rabbeinu, maintenant on a entendu Hachem, on était à Shavuot, on a entendu Akadosh Baruch Hu parler, il nous a donné les commandements. Donc Moshe Rabbeinu, maintenant, il va monter au Har-Sinaï pour recevoir l'étape de la loi. Donc, comme tout leader, quand on quitte notre poste momentanément, on met des gens pour nous remplacer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Il va mettre Aaron et Hur. Hur, c'est leur neveu à tous les deux, c'est le fils de Myriam. Donc Aaron et Hur sont un peu les délégués de Moshe Rabbeinu le temps de son absence. Et là va se produire la fameuse erreur de compte des Bnei Israël. Moshe leur dit « Je reviens dans 40 jours ». Donc eux vont compter à partir de l'heure où il est parti, tandis que Moshe parlait en jour plein. Donc il fallait attendre que la journée en cours qui est déjà entamée se termine et à partir de cette fin de journée, donc du jour suivant, on compte 40 jours pleins. Et eux vont faire l'erreur, vont commencer 6 heures trop tôt, donc ils vont finir leur compte 6 heures trop tôt. Voyant qu'arrive le 40e jour et que Moshe n'est toujours pas là, d'après leur compte, donc 6 heures en avance, ils vont commencer à vouloir faire un veau d'or. C'est Aaron qui va s'en charger, le veau d'or va apparaître et les Bnei Israël vont s'adonner à la Avoda Zara jusqu'à ce que Moshe revienne 6 heures plus tard et cette fois il va briser les tables et on connaît la suite de l'histoire, il va arrêter la catastrophe. Je pense que beaucoup de personnes se posent cette question. Je l'ai déjà abordé dans le livre sur le sujet dans Shemot. Il y a une question qui est simple. Il faut bien comprendre ce que signifie à ce moment de l'histoire le veau d'or. C'est comme Chas v'Shalom, un homme qui tromperait sa femme le jour du mariage. Devant sa femme en plus. Voilà, c'est exactement ce qu'a fait l'Homme Israël. Akadosh Baruch Hu et l'Homme Israël sont mariés. Le jour de la Choupa, c'est Matan Torah. Maintenant, Akadosh Baruch Hu vient leur donner le présent de mariage, c'est les Louchot. Au jour des Louchot, il descend et qu'est-ce qu'il découvre? Que le Ham Israël a choisi un autre Dieu que lui. C'est invraisemblable parce qu'on parle déjà d'une faute qui est très grave en temps normal. Mais tout le monde s'est posé la question de se dire, mais une génération comme celle de Moshe Rabbeinu, le fameux Dordéa, la génération de la connaissance, ceux-là même qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu les 10 plaies, qui ont vu l'ouverture de la mer, qui ont vu la manne, qui ont vu les nuées, qui ont vu la guerre contre Amal, ils ont tout vu. Ils ont entendu Dieu leur parler. Comment des gens comme ça, ils en arrivent à faire une Avoda Zara? Une Avoda Zara, la plus grande de l'histoire, celle du veau d'or, celle-là même qui se produit au moment où Hachem se marie avec nous. Mais c'est invraisemblable. Comment le Ham Israël a pu en arriver là? C'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer les choses. Et on va se rendre compte, moi j'aime bien dire à cette question, je réponds, comment aurait-il pu ne pas succomber à la faute? Et je le dis clairement, si on avait été nous à cette époque, je pense qu'on aurait été les premiers en tête de liste à se prosterner devant le veau d'or. Il faut bien comprendre l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Voyons que Moshe tarde. Il faut bien comprendre déjà la pression. Moshe tarde. Tout le monde attend le retour de Moshe Rabbeinu. Avec impatience, il va revenir du ciel, ça fait 40 jours qu'il est là-bas, déjà c'était un homme extraordinaire, mais maintenant il va chercher l'étape de la loi, quelque chose qui tombe du ciel. Ça va être plus grand que tout ce qu'on a connu. Donc, déjà ils sont pressés, donc ils sont au taquet, ils attendent l'heure, ah, vraiment il va arriver, donc la pression monte. Nous dit Rashi, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Midrashi, Rashi les rapporte. À ce moment-là, arrive l'heure d'après leur compte où Moshe est censé arriver, et qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il met l'obscurité comme ça, les ténèbres. Et il commence à chuchoter. Moshe est mort, Moshe est mort. Et tout le monde entend, Moshe est mort, Moshe est mort. Moshe, il est mort. Comment ça, Moshe, il est mort?
Pas possible. C'est impossible. Il nous a dit qu'il revenait. C'est Hachem qui lui a dit qu'il reviendrait dans 40 jours. C'est une prophétie. C'est la parole d'Hachem. Il ne peut pas se tromper. Moshé est mort, Moshé est mort. T'as entendu? T'entends ce truc-là? Moshé, il est mort. Mais c'est pas possible, personne n'y croit. Mais ça commence à rentrer dans leur tête. Alors le Satan, il va plus loin maintenant. Après qu'il aura bien travaillé l'esprit, il montre dans le ciel la dépouille de Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu en train de monter dans le ciel, mort. Certains disent carrément sa tombe. Moshé, voyez, vous ne croyez pas? Regardez. Il est mort. Tout le monde est choqué. Estomaqué, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a pas, pourquoi ils ont pas? Tout le monde se dit, ouais, bon, ça va, ils n'étaient pas à quelques heures près, ils auraient pu attendre. Non, ils pensent vraiment qu'il est mort, ça ne sert plus à rien d'attendre. Nous dit le Ramban, alors ils ont une idée. Quand Akadosh Baruch Hu, il a ouvert, je précise, j'ai été trop vite. Ils ont une idée. Ils se sont dit, et c'est là qu'ils ont commis leur première erreur, ils se sont dit, jusqu'à maintenant, on avait Moshé Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshé Rabbeinu? Moshé Rabbeinu a reçu des forces d'Akadosh Baruch Hu pour nous guider jusqu'à maintenant. Donc il a fait des miracles, là je vois qu'il a contenu un pouvoir de faire les 10 plaies, d'ouvrir la mer, de faire tomber la manne. Donc ce pouvoir-là, c'est Hachem qui lui accorde, on est bien d'accord là-dessus, et tout le monde est sûr que de ça, il n'y a pas de question là-dessus. C'est un pouvoir qu'Akadosh Baruch Hu a donné. Alors ils se disent, on va demander à Akadosh, maintenant qu'il n'y a plus Moshé, on va demander à Akadosh Baruch Hu en remplaçant Moshé Rabbeinu, ok, tu vas lui accorder les mêmes pouvoirs. C'est pour ça que dans la Haggadah, il y a écrit « Ani velo malach, ani velo séraphim, ani velo shaliach, ani beatmi. » C'est moi qui vous ai libéré, pas un ange, pas un séraphim, pas les séraphim, pas un émissaire, moi, personnellement. Comment ça, t'as pas envoyé un émissaire? T'as envoyé Moshé Rabbeinu? Réponse, non. Moshé n'était qu'un acteur. Il agitait, mais il se passait rien quand il faisait Moshé. Il levait son bâton, et alors? C'est Hachem qui agissait. Moshé faisait juste écran pour faire passer le message. Mais il était complètement inactif. C'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait. Et Moshé n'est détenteur d'aucun pouvoir, d'aucune source d'énergie particulière. Tout est fait par Hachem. Il n'y a rien d'autre. Eux ont fait l'erreur de croire qu'Hachem il a donné un peu d'énergie à Moshé Rabbeinu. Et que c'était à lui d'agir, avec cette énergie, de la contrôler. Donc ils ont dit, puisque Hachem il a délégué une partie de sa puissance à Moshé Rabbeinu, on va chercher un réceptacle capable de condenser la même puissance, et pour qu'on continue le travail, mais on n'est pas en train de dire qu'on ne va pas plus croire en Dieu, on veut juste un remplaçant à Moshé, et d'accord, ils ont fait une erreur, ils ont pensé que cet homme, il avait du pouvoir. Maintenant, ils se sont posé la question, qui va remplacer Moshé Rabbeinu? Qui est assez grand? Personne. Il n'y a personne qui ait de l'ampleur de Moshé Rabbeinu, ça n'existe pas sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? À ce moment-là, ils se sont rappelés que quand Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la Torah, ils ont vu son trône, et on a déjà évoqué cette idée, sur le trône d'Hachem, il y a quatre effigies, entre autres, il y a le taureau. Il y a le taureau. Alors ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, on va créer un taureau et tu vas lui transférer cette énergie comme Moshé Rabbeinu, ce sera, puisqu'il n'y a pas d'humain pour pouvoir le faire, on va prendre un autre, on va prendre une des formes dans le ciel. Il présente l'idée à Aaron et Hur. Elle a écrit Vayar Aaron. Aaron a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Rashi nous dit, non, c'est pas, je ne sais pas si c'est Rashi, mais en tout cas Ramim nous disent, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce qu'a fait Hur. Hur, il leur a dit, vous plaisantez, Moshé il n'a jamais eu de pouvoir. C'est Akadosh Baruch Hu, ils ont dit, mais non, n'importe quoi, débat, marloquette. Il dit, non, je ne vous laisse pas faire un truc pareil. Si vous faites un truc pareil, à vos Dazara, je ne vous laisse pas faire. Ils s'opposent à eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tellement persuadés qu'ils ont raison. Ils le tuent. Vient Aaron, il voit la scène. On ne peut pas l'empêcher, ils sont des milliers. Il voit la scène. Il dit, maintenant, la halakha, c'est ce qu'il a fait Hur. La halakha, c'est comme Hur. Donc je dois moi aussi aller m'opposer et me faire tuer. C'est ça là. Et j'ai pas peur de le faire. Aaron n'avait absolument pas peur de le faire, faut pas croire. Seulement, ça aurait servi à quoi? Alors il aurait fait sa mitzvah, il aurait fait sa bonne action de la journée, il serait mort, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils auraient fait le Béni Israël? Le Vaudor, lui va tenter une autre stratégie. Du frour, ça n'a pas marché, je vais tenter autre chose. Si maintenant je les laisse tous faire dans leur coin, ça veut dire qu'ils vont organiser les choses, il y en a un qui va faire ça, ils vont se répartir les tâches, ça va aller très vite. Puisqu'ils sont tellement. Alors je vais condenser le travail, il n'y a que moi qui vais travailler. Et je vais commencer à saboter le projet. Il leur dit première chose, les femmes, elles n'ont pas voulu fauter. Elles n'ont même pas fauté, Bichlal. Alors il leur dit, allez me chercher les bijoux en or de vos femmes. On ne va pas faire, attendez, on va faire quand même un réceptacle pour l'énergie d'Hachem, il faut que ce soit quelque chose de méroubad, d'important, on le fait en or. Allez chercher les bijoux de vos femmes. Qu'est-ce qu'il se dit à Aaron? Petit 1, les femmes, elles ne veulent pas fauter. Donc, elles ne voudront pas donner leurs bijoux. Petit 2, les bijoux, c'est précieux. Donc, déjà, naturellement, on n'a pas envie de les donner. Alors, en plus, pour faire une faute qu'elles n'ont pas envie de faire, elles ne voudront pas. Donc, ils vont perdre 3-4 heures déjà. Et d'ici là, Moshé, il va arriver.
Rachid il dit, ils n'ont pas attendu, ils sont rentrés chez eux, ils ont arraché sur leur femme, il y a même eu du sang de leurs oreilles qui ont été cacoulé, ces cris. Et ils ont déposé Aaron. Quelques minutes après, Aaron, il y a une montagne d'or. Très bon, voilà. Bon, pas grave, on va gagner autrement le temps. Ok, je m'en occupe, c'est moi qui vais sculpter le taureau. Commence à faire fondre l'or. Et il dit, voilà, le temps qu'il fonde, le temps que je fasse la forme, que ça sèche, ça refroidisse, ils sont là, on a des mois déjà de travail. Ok, sauf que quoi ? Ramim nous dit, il y avait là-bas un homme qui s'appelle Mira. Qui est Mira ? C'est un des enfants que les Égyptiens, ils ont emmuré vivant. Un juif. Moshe Rabbeinu, il arrive, il voit ce petit juif, il dit, Kadosh Baruch Hu, je veux le sauver. Hachem lui dit, pas bonne idée. Moshe dit, non, je ne peux pas le laisser, je le sauve. Il le sauve, il le fait grandir avec lui. Au moment où les Bnei Israël vont sortir d'Égypte, Moshe va se consacrer à récupérer la tombe de Yosef qui est enfouie dans le Nil, avec des tonnes de sortilèges. Déjà, le Nil va trouver où elle est la tombe. En plus, il y a des sortilèges, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Impossible de retrouver la tombe. Qu'est-ce que fait Moshe ? Il utilise un nom d'Akadosh Baruch Hu qui est spécial, et il prend une plaque en or et il écrit dessus « Allez, Shor, lève-toi, taureau ». Et il inscrit plein de noms d'Akadosh Baruch Hu très secrets qu'on ne connaît pas. Pourquoi lève-toi taureau ? Parce que Yaakov, quand il a béni Yosef, il l'a appelé taureau. Alors il dit lève-toi taureau. Il jette la plaque en or dans l'eau, ça brise toutes les barrières et miraculeusement, le cercueil de Yosef monte à la surface, Moshe le récupère. Qui est présent à côté de lui ? Mira. Mira, il attend que Moshe s'en aille, il plonge dans l'eau, il récupère la plaque et il la cache. Donc il écrit dessus lève-toi taureau et plein de noms d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Mira ? Il arrive au moment où tout le monde jette son or et discrètement, il balance la plaque. Et comme il y a des noms d'Akadosh Baruch Hu dedans, qu'est-ce qui se passe ? À peine leur fond se lève un taureau, puisqu'il y a écrit « Lève-toi taureau » avec des secrets kabbalistiques. Et il y a un taureau qui se lève. Mieux que ça, il voit qu'il fait quoi ce taureau ? Il parle. Pourquoi ? À cause de ce qu'il a fait Mira. Il parle, il dit « Voici ton Dieu Israël, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. » Qu'est-ce qu'ils disent ? Tout le peuple. Il dit, vous voyez ? C'est Hur qui avait tort, c'est nous qui avions raison. Aaron, déjà, il a perdu, parce que c'est sorti tout seul, il n'a pas réussi à retarder. Mais attends, nous, qu'est-ce qu'on voulait ? On a vu que Moshe, il est mort. Donc on veut remplacer Moshe. On pense bien que Moshe, il a reçu une énergie d'Akadosh Baruch Hu. On demande à Hachem, s'il te plaît, donne cette énergie. Bah, regardez, il est sorti de lui-même le taureau, il parle. C'est normal, ça ? C'est pas normal. C'est la preuve. Ils savent pas que c'est Mira qui a jeté la pierre. Donc c'est la preuve pour eux indiscutable. Ils voient, ils constatent, ils analysent. Il y a toutes les preuves. Dieu leur a donné raison. Dieu, il est d'accord avec eux. Il faut écouter ce qu'il dit, ce veau d'or. Et quand ce veau d'or, il va dire prosternez-vous, eh ben ils se sont prosternés. Et ils sont sûrs à 100% que quand ils se prosternent, ils font le bien. Ils sont persuadés de ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a demandé. Alors on fait. Et là, ils ont fauté. Pourquoi ? Hachem t'a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça, c'est assourd. Il vous l'a dit, vous ne l'avez pas écouté, c'est à vos Dazara, c'est assourd. Je vous ai dit pas d'autre Dieu. Et là, vous êtes en train de ah, mais il nous a dit que c'était toi qui lui a dit, il nous a démontré que tout, on avait le raisonnement, on a vu, on a analysé, on a réfléchi. Toutes les preuves, Hachem. Je t'ai dit, pas d'autre Dieu. Quelle preuve ? Il n'y a pas d'autre Dieu. Et même si tu entends, il y a un autre Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Comment ils peuvent, ils voient les choses. Ils ont vu la scène. Ils ont démontré qu'ils ont raison. Le taureau, il parle. Ils voient que Moshe, ils ont vu de leurs yeux Moshe mort. Qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tout le monde leur est fauté. Nous, les premiers. Même j'ai vu les 10 plaies, parce que je ne pense même pas que je fais une avéra. Je suis sûr que ça y est, c'est ça le Emet. Alors, c'est quoi l'histoire ici ? C'est quoi l'histoire ? Quelle est la faute ? Quand ça se passe, Aaron, il dit « Chag l'Hachem machar ». Demain, c'est la fête pour Hachem. Et ça ne manque pas, ils ont fini le taureau, le lendemain, ils se sont levés, ils ont fait toutes les avérotes qu'on peut imaginer. C'est ça, Chag l'Hachem. Chag l'Hachem, tu dis « Chag l'Hachem », c'est une fête pour Hachem. Ce veau d'or qui est une calamité, tu es en train de dire ça va être la fête pour Hachem. Toi, Aaron, que tout ce que tu voulais, c'était l'empêcher. Rachid dit non, lui, il a pensé à Hachem. Et il a dit dans sa tête, demain, il y aura une fête pour Hachem parce que c'est sûr que Moshe va revenir. Lui, il était Mahamid que Moshe allait revenir. Lui, il n'est pas tombé dans le panneau. Moshe revient. Ah, on l'a vu mort, on a vu. Moshe revient. Il a dit reviens, il revient. Preuve que c'était possible déjà de ne pas croire au veau d'or.
quoi cette fête qu'il devait y avoir? Viens, le Yalkut Shimon, il nous dit, il sache qu'Akadosh Baruch Hu, il avait prévu pour tout le printemps-été, il avait prévu une fête. Tous les mois, les 6 mois printemps-été, il devait y avoir une fête. En Nissan, Pessah. En Iyar, Pessah Sheni. Qu'est-ce que c'est que Pessah Sheni? C'est ceux qui n'ont pas pu faire Pessah, il leur met Pessah Sheni. Rattrapage de Pessah. Ils étaient impurs, ils étaient absents, etc. Bon, Pessah Sheni. En Sivan, Matan Torah, Shavuot. En Tammuz, il devait y avoir une fête. En Av, il devait y avoir une fête. En Elul, il devait y avoir une fête. À cause du Vaudor qui a eu lieu en Tammuz, toutes les trois mois ont été privés de leur fête. Et c'est Tishri qui récupère l'ensemble. Nous dit le Midrash, la fête qu'il devait y avoir en Tammuz, c'était une immense fête. Immense fête. C'est quoi cette fête? On sait que à la destruction du Beit HaMikdash, il y a 4 jeûnes qui vont être institués. Le jeûne de Guédalia, le 10 Tevet, 17 Tammuz et 9 Av. La Torah nous dit, ces 4 jours de deuil se transformeront plus tard en Yom Tov. Donc le 17 Tammuz, déjà on nous dit, sache que ça devait être un Yom Tov, on l'a loupé, mais ça reviendra à Yom Tov. Mais c'est quoi ce Yom Tov? Qu'est-ce que sera la fête? Qu'est-ce qui va être la fête? Alors on peut supposer que le 9 Av, ça a été la destruction du Beit HaMikdash, ça va être la reconstruction, mais le 17 Tammuz, c'est pas la reconstruction. C'est quoi le 9, le 17 Tammuz? Il devait y avoir quoi comme fête? Moshe devait descendre avec les tables. C'était ça la fête. Viens nous dire le Sfat Emet et explique ce que j'essaie de vous dire. Il y a écrit que les tables de la loi sont Maaseh Elohim Hema, c'est l'œuvre de Dieu. On a déjà évoqué cette idée, comme quoi le vendredi de la création du monde, au crépuscule qu'on appelle Ben Hashmashot, Akadosh Baruch Hu, il a créé 10 éléments. 10 éléments qui sont à la frontière du monde. On a vu ça dans Parashat Trouma en parlant du Shamir. Si vous voulez plus de détails sur le sujet, allez voir là-bas. Maintenant, 10 choses qui sont à la frontière de la réalité. Dans ces 10 choses, il y a l'étape de la loi. C'est une notion qui est à la frontière, à la jonction de la réalité et de la surréalité. Nous dit le Sfat Emet, il pose une question. Il dit, mais attends, je comprends pas. Pourquoi, à quoi servent les tables de la loi? C'est quoi le but des tables de la loi? Hachem, il nous a parlé déjà à Shavuot. Moshe, il monte 40 jours et 40 jours plus tard, il redescend le 17 Tammuz pour nous donner les tables de la loi. À quoi ça sert? Il y a 10 commandements dans les tables, d'accord. Allez, ajoute les Midrashim, tout ce que tu veux, que les tables, elles étaient tellement pures, qu'il y avait des dévoilements, etc. Combien de temps elles ont duré, cette table? Elle a duré 2 minutes, il est descendu, tac, il les a cassées. Les deuxièmes tables, elles n'avaient pas autant d'importance. Allez, admettons qu'elles avaient autant d'importance. Où est-ce qu'on les a mises, ces tables? Dans une boîte. Le Aaron HaKodesh, qui lui-même, il est posé dans le Kodesh HaKodashim, donc il est dans le tabernacle. On ne bouge pas. Personne n'a le droit d'entrer. Jamais. Je n'ai pas à ma tête un souvenir où on a sorti les tables. Peut-être que je me trompe. En tout cas, même s'il y en a eu, c'était épisodique, quoi. Tu fais tout ça. Tout, tu fais une fête pour quelque chose comme ça. Tu viens 40 jours pour donner les tables. Pourquoi on les voit jamais? Et elle t'apporte quoi? Tu m'aurais dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, écrit le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il me sert, je vais étudier la Torah, il y a tout le texte. Là, d'accord. Les tables, je ne les vois même pas. Maintenant, tu m'as déjà parlé au moment de Shavuot. Ça y est, j'ai entendu ta voix. Ah, il faut maintenant réécrire ce que tu as dit. C'est d'ailleurs, je n'ai pas besoin. Tu vas m'écrire un Sefer Torah, il y a tout dedans. Qu'est-ce qu'elles valent, les tables? Qu'est-ce qu'elles valent? Et il explique comme ça. Il dit, les tables, c'est la récompense qu'on a eue pour avoir dit Naase Venishma. Naase Venishma, on a dit, avant, à Matan Torah, on a dit, on fera, et après on entendra, après on comprendra. D'abord on fait. Après il y a la compréhension. À ce moment-là, Hachem, quand il a entendu les ministres dire ça, il a dit, qui leur a révélé ce secret? Que seuls les malachim, seuls les anges, ils le connaissent. Comment ça fait que les anges ils connaissent? Bon, c'est bien, c'est une belle attitude. On est prêt à, on a une telle dévotion que on veut que Akadosh Baruch Hu, on réfléchit pas, on fait, et puis si on comprend tant mieux. Comme les malachim, mais quoi, c'est un secret que tu peux faire des fois des choses sans même les comprendre? C'est quoi le secret? Il explique comme ça. Il dit Naase. Comme on a dit Naase, on va faire. Et on a dit Nishma, on va entendre. Je me dis, vous avez dit Nishma, après vous entendrez. Alors je vous fais écouter. Je parle et vous écoutez. Et c'est pour ça qu'il y a eu Shavuot. À cause de Nishma, qu'ils ont dit, on va entendre. Alors Hachem, vous avez dit cette chose-là. Je vous fais entendre. Je parle et vous m'entendez. Ils ont entendu la voix de Dieu. Et comme ils ont dit Naase, Hachem, il a dit quoi? Alors je vais vous donner un Naase. Naase, c'est on va faire. Je vais vous donner une action.
que moi j'ai faite. Vous avez voulu entendre, alors moi je parle et je vous fais entendre. Vous avez voulu une action, alors moi je fais une action, je vous la donne. C'est quoi ? Maase Elohim Ema. C'est l'œuvre de la main de Dieu. C'est quoi l'œuvre de Dieu ? L'étape de la loi. Comme vous avez dit Naase, alors je vous donne l'étape de la loi. Dans l'ordre inversé de ce que vous avez dit Naase Venishma. D'abord Naase, vous allez faire et après vous allez comprendre. Moi d'abord, vous allez entendre, pardon. D'abord je vous fais entendre et après je vous donne l'étape. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on dit dans les Hadodis, sauf Marase, Bemarshava Techila. Dans la fin d'un acte, dans la pensée, c'est ce qui était premier. Je donne un exemple. J'ai une feuille. Maintenant, je veux la couper. Mais ça n'existe pas les ciseaux. Donc, je réfléchis, j'ai une nécessité. Et je dis, je veux couper ma feuille. Droit, lisse. Alors, la première idée qui m'apparaît dans ma tête, c'est le besoin de couper ma feuille. Je réfléchis à un système. J'imagine deux lames qui vont se cisailler comme ça. Ça me crée le ciseau. Donc, je conceptualise le ciseau. Maintenant que j'ai eu l'idée, dans l'ordre, je voulais couper ma feuille et après j'ai eu l'idée du ciseau. Dans les faits, je vais d'abord créer le ciseau et après je vais pouvoir couper ma feuille. Donc, dans ma tête, qu'est-ce qui est apparu ? Feuille coupée, puis après ciseau. Dans les faits, qu'est-ce qui est apparu ? Ciseau et feuille coupée. Donc, comme nous on a dit « Naase venishma », on fera et on entendra. Qu'est-ce qui est apparu ? Nishma, vous avez entendu la Torah. Venaase, maintenant je vous donne les tables. Qu'est-ce que c'est que ces tables ? Nous dit le Sfat Emet, c'est l'écriture d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Aval ? C'était Akadosh Baruch Hu qui ne voulait pas que écrire sur des tables. Il voulait qu'on les voit et que ce soit maintenant écrit en nous. Il voulait nous changer notre programmation, nous reprogrammer, nous réécrire le code. On voit ça. Ce même Sfat Emet, sur l'année d'après, puisque le Sfat Emet c'est un commentaire année par année, sur l'année d'après, il explique. Que quand Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe, il avait donné une table, avec Kechaloto. Quand il a fini de lui parler, quoi il a fini de lui parler ? Qu'est-ce qui se passe ? Il explique le Sfat Emet au nom du Midrash. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il vient, il fait monter Moshe à Arsinaï, il lui apprend toute la Torah le premier jour. Fin du jour, Moshe il oublie tout, il comprend rien. Le lendemain, on répète. Moshe il oublie tout, il comprend rien. Troisième jour, 4, 10, 20, 30 jours, 40 jours, Moshe il oublie tout, il comprend rien. Hachem, il savait que ça allait foirer. Pourquoi tu lui fais faire 40 jours de lui hein? Au final, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui fait Matana. C'est pour ça que ça s'appelle Matan Torah, le don de la Torah. Il lui fait un don, je te l'offre. Tiens la Torah, tiens l'étape, ça c'est pour toi. Si tu savais que ça allait pas marcher, pourquoi tu l'as fait attendre 40 jours pour lui donner? Pourquoi il faut qu'il monte? Bon, fais-les descendre sur terre, tu fais bien descendre la manne sur terre, fais descendre l'étape sur terre. Pourquoi il faut qu'il monte? Réponse du Sfat Emet. Le but, ce n'était pas que Moshe comprenne, ce n'était pas que Moshe retienne, c'était que Moshe essaye. Essaye quoi ? Essaye de vivre en dehors de notre monde pendant 40 jours, sans boire, sans manger, à étudier quelque chose qui le dépasse. À devenir, en d'autres termes, il fallait que Moshe vive comme un ange et qu'il sorte de son statut d'humain. Moshe doit devenir un ange. Comment on fait devenir un homme un ange ? Alors on le fait monter dans le ciel. Il ne peut plus rester sur terre. On le fait plus manger. On le fait plus boire. Et on lui parle comme au Malachim. Torah, 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 Torah. Pendant combien de temps ? Pendant 40 jours. Pourquoi ? Parce que 40 jours, c'est le nombre créateur. On voit ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il crée un enfant, à partir de la fécondation, jusqu'à que l'enfant devienne un fœtus et qu'on considère qu'il devienne vivant, il y a 40 jours. La phase embryonnaire dure 40 jours. Quand une femme, elle va se tremper, ou même un homme qui est impur, il va se tremper dans le mikvé, il se trempe dans un mikvé qui a une quantité qui s'appelle 40 CA. CA, c'est une mesure. 40 CA, c'est pourquoi ? C'est pour dire que l'impureté qu'on a, elle est annulée, on est recréé, on est un nouvel être. Combien de temps il a fallu pour que l'Ibn Israël devienne le peuple d'Israël ? 40 ans dans le désert, toujours 40, 40, 40, 40, c'est la création, c'est ou la recréation. Qu'est-ce qui se passe ? Moshe Rabbeinu, il est en train d'être recréé. Et à la fin qu'il a fini cette progression, de ce processus-là, ce n'est plus le même Moshe. L'homme qui ne pouvait plus comprendre le premier, le deuxième, le 40e jour, il a fini d'être Moshe Rabbeinu, il a fini d'être un homme. C'est maintenant un malard. Là, il peut comprendre. Et d'un coup, la Torah devient limpide. C'est un ange. Et je lui dis, tiens, la Torah. Qu'est-ce qui aurait dû se passer le 17 Tammuz ? On a reçu à Shavuot la Torah à l'oral. C'était le don oral. C'était l'entente de la Torah.
Maintenant, on devait recevoir la Torah. Pourquoi ? Parce qu'on n'a rien compris. On ne pouvait pas comprendre. Il fallait 40 jours pour que Moshe crée, obtienne l'élément qui fait qu'on n'est plus des hommes. C'est quoi cet élément ? C'est les louchot. C'est pas besoin de les voir. Parce que quand Moshe Rabbeinu va descendre avec cette louchot, ces louchot-là, on va les voir une fois. Et ça y est, on est des malachim. Parce que nous aussi, on attend en bas 40 jours. Quelle avait été la fête qui était prévue ce jour-là ? Une fête plus grande que toutes les autres. Si Shavuot, c'était le jour de la Torah. Le jour où on a entendu la voix d'Hachem. Le jour où l'homme il a atteint l'apogée de son existence. Alors c'est un grand jour. Mais le 17 Tammuz aurait été le jour où l'homme est sorti des limites de son existence, où l'homme n'est plus. L'ange est apparu. Et à ce niveau-là, tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant est faible. On est tellement haut que jusqu'alors c'était ennuyeux. Ah, on a vu 10 plaies, ouais. On a traversé la mer, ouais. On a entendu Dieu, pas mal. Maintenant on peut faire ce qu'on veut, on est direct avec Dieu. On n'est plus sur terre, on n'est plus dans le ciel, on est partout. Ça, c'était le 17 Tammuz. Viens, Aaron, il te dit, Chag Lachem Machar, demain, il y a une fête énorme, énorme, la plus grande. Fin de l'humanité. Début des anges, un peuple d'anges. Qu'est-ce qu'on a fait ? Vaudor. Vaudor, on a tout cassé. On a tout cassé. Pourquoi ? Pourquoi le Vaudor ? Pourquoi Hachem nous a fait cette épreuve-là ? On comprend l'épreuve. On comprend, elle est rationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ce que je suis en train d'expliquer ? Rabim nous dit, quand on a reçu à Shavuot les paroles d'Akadosh Baruch Hu, on est revenu au stade d'Adam Arishon. Du coup, qu'est-ce qu'il nous fallait encore de mieux ? Il va aller faire comme Adam Arishon. On voit bien que quand Adam Arishon, il a fauté, avant qu'il faute, il était à un haut niveau. Et il a fauté. Pourquoi ? Parce qu'il a eu une épreuve, celle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a eu l'épreuve, il a perdu l'épreuve. Mais ça veut dire qu'il était confronté à une tentation. Pourquoi il est confronté à une tentation ? Il est déjà parfait ? Non, il n'est pas parfait. C'est un homme. Hachem veut plus que ça. Vous devez dépasser l'homme. Donc il lui faut une épreuve qui fait qu'il n'est plus un homme. C'est quoi cette épreuve ? C'est la même que vive le peuple d'Israël finalement. On doit revivre la même. De même qu'Adam Arishon, il est créé très haut. Il doit monter encore. Nous, quand on est redevenu Adam Arishon, on doit encore monter maintenant. Étape finale, deuxième round. Premier round, on a entendu Nishmar. Maintenant, on doit rentrer dans le Naasé. Le Naasé, c'est quoi ? L'action. C'est quand Akadosh Baruch Hu nous donne un acte, qu'il entre en nous, au point qu'on ne peut plus agir autrement que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit. Regardez, c'est quoi l'épreuve d'Adam ? Il y a dans le Gan Eden deux arbres. Le Etz Adat, Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Daat, c'est le cerveau, c'est l'intelligence, la connaissance. Et le Etz Achaim. Il y a d'autres arbres, mais les deux principaux, c'est le Etz Adat, l'arbre de la connaissance, et le Etz Achaim, l'arbre de la vie. Rami nous dit, l'arbre de la vie, c'est la Torah. Lui, on a le droit de le manger. Celui que tu n'as pas le droit de manger, c'est l'arbre de la connaissance. Pourquoi j'ai pas le droit de manger l'arbre de la connaissance ? Parce que tu es déjà un homme qui est au sommet. Tu as la connaissance. Maintenant, tu dois refuser la connaissance. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu dois accepter que la seule réalité, c'est celle qui est dictée par la Torah. Et ce qu'a dit la Torah, c'est ce que tu dois faire. Et même si la connaissance, même si le savoir, même si l'intellect, même si nos sens nous dictent le contraire, Hachem, il a dit, je fais. Hachem, il lui dit, voilà, tu ne dois pas manger l'arbre de la connaissance, tu dois manger l'arbre de la Torah. Et si tu manges l'arbre de la Torah, l'arbre de la vie, après tu pourras atteindre la connaissance, parce que ce ne sera plus un problème pour toi, la connaissance. Tu sauras comment te comporter, même face à ce que tu constates. Mange l'arbre de la vie, et après tu pourras manger l'arbre de la connaissance. Mais surtout pas l'inverse. Qu'est-ce qu'il fait Adam ? Il mange l'inverse. Pourquoi ? Parce que sa connaissance, son darat, son intellect, lui dit de faire comme ça. Il dit que c'est bien de faire comme ça. Il a un calcul, Adam. Il a tout réfléchi. Il a fait une analyse. C'est par A plus B, il faut que je mange l'arbre de la connaissance. Je t'ai dit la Torah. Tu as choisi la connaissance. Tu as choisi l'analyse. Tu as choisi ta réflexion. Tu ne peux pas être un ange. Un ange, c'est celui qui ne réfléchit pas. Celui qui accepte les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Comme vous avez voulu l'être. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a que les anges qui pouvaient dire Naaseh Venishma. Il y a qu'un ange. Pourquoi il n'y a qu'un ange qui peut dire Naaseh Venishma ? Parce qu'on ne veut pas faire comprendre. On veut se soumettre à Kadosh Baruch Hu comme un malard. Et nous, on veut comprendre. Et quand on fait la réflexion, on fait passer la réflexion plutôt que la soumission à Kadosh Baruch Hu, alors la réflexion, elle peut parfois le contredire.
parce qu'on n'a pas tous les éléments. Les Bnei Israël vont vivre la même épreuve. Une réalité tangible, indiscutable, démontrée, affirmée. Le veau d'or, c'est Dieu, c'est sûr. Comment on peut en douter? Notre tête, elle nous le dit. Nos yeux nous le disent. Nos oreilles, elles nous le disent. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Dafka, je veux mieux. Précisément, je veux mieux. Je veux plus que tu penses comme un homme. Je veux plus que tu penses que la Torah. Rien que la Torah. Et si tu as la Torah, alors tu comprendras que c'est une erreur. Ils ont fait quoi comme erreur? Ils ont vu une réalité. Au lieu d'écouter ce qu'Hachem a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ils ont réfléchi, ils ont utilisé le Darat. Comme Adam, il a choisi d'abord le Darat plutôt que la Torah. Et aussi, ils ont choisi le Darat plutôt que la Torah. Et pourquoi il ne faut pas qu'ils choisissent le Darat? Parce que si tu veux être un ange, tu dois être au-dessus du Darat. Tu dois être au-dessus du savoir, de la connaissance. Tu ne dois pas penser. Tu ne dois pas penser que tu sais. Tu sais que tu ne sais rien. Et que le seul qui compte, c'est ce que Hachem t'a dit. Et quand tu n'es pas capable de faire cette frontière, de passer cette frontière, tu restes un homme. Tu ne peux pas être un ange. Et les Israël n'ont pas monté. Ils ont raté, ils ont échoué. Je viens de nous dire, Rachamim, quelque chose de terrifiant. Terrifiant. Qui finalement, il est logique, mais c'est terrifiant. On va devoir vivre la même épreuve qu'eux. Bah oui, puisque à un moment ou un autre, on va redevenir comme Adam Harishon. Et puis après, il faudra devenir des malachim. Donc on va devoir vivre l'épreuve qui fait que notre cerveau humain va nous dire quelque chose, va nous démontrer quelque chose, et on va dire, je te crois pas. Je peux pas te croire. Rami me dit, c'est pour ça que c'est Eliyahu HaNavi qui va venir. Je précise. J'ai eu ce commentaire, je l'avais déjà entendu, j'ai vu la référence maintenant. Vous la retrouverez dans le livre, j'ai plus le nom. Dans le livre, dans le Dvar Torah écrit, j'ai plus le nom en tête. Comme ça, c'est écrit sur Eliyahu HaNavi, c'est rapporté dans Melachim. Eliyahu HaNavi, à un moment de l'histoire, tout le Ham Israël s'est converti à l'idolâtrie de Baal. Tout le monde. Il n'y a plus rien. Il n'y a que lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout le monde commence à faire Avodah Zara. Il faut qu'il agisse. Alors, à cas exceptionnel, mesure exceptionnelle, qu'est-ce qu'il va faire Eliyahu HaNavi? Il va dire... J'ai pas le droit normalement, mais je vais demander à Kadosh Baruch Hu de l'autoriser exceptionnellement à faire un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Il va réunir tout le monde, et les prêtres idolâtres, je crois qu'il y a 450 qui sont mentionnés là-bas, 450 prêtres idolâtres, il va dire, voilà, vous dites votre Dieu c'est le vrai, moi je dis c'est le mien. Alors venons au défi, on fait un pari, on fait un test qui va démontrer qui a la vérité. On va prendre deux taureaux identiques pour pas qu'on dise il y a eu tricherie, les mêmes, ça il n'y a pas un mieux que l'autre. Chacun va le mettre sur son misbéar, sur son autel, et il va invoquer son Dieu. Il ne faut pas que ce soit nous qui brûlions nos sacrifices, c'est Hachem, enfin Dieu, qui va venir et brûler le sacrifice. Si c'est votre Dieu qui arrive à brûler, si le feu descend de votre côté, alors c'est votre Dieu qui sera le vrai. Et s'il descend de mon côté, c'est mon Dieu qui est le vrai. La Gemara a raconté ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, ok, pas de problème, on accepte. Ils ont pris la bête, chacun de leur côté, et il y a Wanavi, ils leur ont dit, allez, Bechavod, à vous l'honneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un trou en dessous. Leur sacrifice, ils ont mis un homme avec une petite flamme comme ça, une torche, et quand il lui tape sur le sol, vas-y allume le feu, comme ça on a gagné. Ok, il commence, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie un immense serpent, et pfft, il bouffe. Je sais pas s'il a mordu, c'était vénéneux, ou s'il a avalé, bon, en tout cas il tue la personne qui a la torche, et il commence à supplier leur Dieu, il tape comme ça par terre, il tape, vas-y allume, il se passe rien. Alors Yahweh a dit, peut-être, votre Dieu ne vous entend pas, criez plus fort. Peut-être il dort. Réveillez-le. Il se moque d'eux. Bon, à un moment donné, il leur dit, bon, ça fait 3 heures. Votre mascarade, elle a assez duré à mon tour. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez carrément tremper mon sacrifice. Comme ça, vous ne dites pas qu'il y a de la triche. Parce que le feu, normalement, il ne prend pas. Ok, il trempe le sacrifice d'Eliyahu HaNavi. Et là, il vient, il fait « Aneni, Hachem, Aneni, réponds-moi, Hachem, réponds-moi. » Il y a un feu qui descend du ciel et le sacrifice d'Eliyahu, il prend flamme. Ah, vous voyez? Tout l'homme Israël dit « T'avais raison, Eliyahu. C'est vrai, on a fauté. C'est Hachem le seul vrai Dieu. » Et il retourne avec Eliyahu. Manque de peau. Plus tard, ils refont. Beaucoup plus, un peu plus tard, ça n'a pas tenu. Ils n'ont pas fait vraiment, tu vois. Parce que le miracle, déjà, il faut savoir, un miracle, ça ne fait pas faire tchouva. C'est ce que les jeunes croient. Ouais, moi, si je voyais un miracle, moi aussi, je ferais tchouva. C'est pas vrai.
C'est un miracle, ça ne fait pas faire tchouva. Ça fait tchouva 2 semaines et après tu redeviens ce que tu étais. Le Ham Israël revient à la faute. Alors Rami dit, Eliaou, je t'avais envoyé pour démontrer que c'était moi Dieu. Tu as réussi partiellement, mais moi je veux que tu réussisses définitivement. Donc je vais te renvoyer une dernière fois et cette fois tu vas démontrer définitivement. Quand, à la fin des temps, nous disent Ramim, puisque l'épreuve à chaque fois c'était quoi? C'était de dire, la raison va nous donner un argument faux. Il ne faudra pas y croire. Nous disent Ramim, à la fin des temps, on va revivre la même épreuve qu'avec Eliyahu Hanavi. Il y aura les gens qui vont prétendre quelque chose contre la Torah. Il y aura nous qui prétendrons la Torah. Et le NAV, il va dire, on va faire un test, on va voir, on va faire un sacrifice ou quelque chose dans le genre. Et celui qui gagnera, c'est celui dont le sacrifice, il y aura les flammes qui vont tomber de son côté. Et cette fois, c'est Eliyahu qui commence, il va dire, Hachem, réponds-moi. Et il ne va pas lui répondre. Il ne va pas répondre. Le sacrifice d'Eliyahu, il ne va pas brûler. Les autres, ils vont réveiller, ils vont lui dire, Eliyahu, ça suffit ta mascarade. À notre tour. Dieu, réponds-nous. Et là, il y a un feu qui va descendre et qui va brûler leur sacrifice. Va brûler leur sacrifice. La nature va donner, nos sens vont nous prouver par A plus B. Qui a raison? Eux. Et là, il faudra rester juif malgré tout. Il faudra rester juif. Dire, je ne crois pas. C'est pas vrai. La Torah, elle a dit, la Torah, elle est vraie. Il faudra arrêter de penser avec nos sens et notre cerveau. Il faudra refuser la réalité. Il faudra refuser le da'at et dire on reste des ma'aminim, des croyants. On reste des croyants. Vas-y, fais tes miracles, je m'en fiche. On est croyants et fidèles à la Torah. À ce moment-là, on ne pensera plus avec notre tête comme des hommes, on pensera avec la emouna, la révérence envers Akadosh Baruch Hu. On sera des malarim. Et n'en réussira l'épreuve. Ceux qui resteront du côté d'Eliyahu malgré tout, eux, ils seront choisis pour Mashiach. C'est ça l'épreuve ultime de la fin des temps. Quel côté choisir? Ce que ma tête, elle me dit? Ou ce que la Torah me dit? Et on devra choisir la Torah. Et rien que la Torah. On va aller plus loin. C'est écrit comme ça, que plus tard, à cause du veau d'or, qu'on a loupé l'épreuve, Yechezkel, il va prier à Hachem, il va dire, Kadosh Baruch Hu, dans le trône, dans ton trône, il y a un taureau. Il faut l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est une accusation, à cause de ce taureau, on a fauté. Alors, il va remplacer ça par un kérouv, un chérubin. On pose la question, mais pourquoi? Pourquoi c'est le taureau qui a été l'épreuve, finalement? Le taureau, c'est la force qu'Akadosh Baruch Hu l'a envoyé pour nous empêcher de monter. Ça veut dire quoi? Le taureau, c'est un animal. C'est un animal. Et qu'est-ce qu'on devait refuser? Notre aspect bestial pour venir à un niveau plus haut. Donc Hachem, il envoie un animal. Et quelle est la force qui empêche l'accès à l'étage du dessus? C'est le taureau. C'est pour ça que quelque part, il a disparu un peu parce que c'était dur à supporter. Viens nous dire, Ramim, il y a un autre moment où on voit qu'il y a les kérouvim, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'il a demandé à la place du taureau? Des kérouvim. À part dans le Beth Amigdash, il y a 2 kérouvim, il y a un autre endroit où on voit que les kérouvim, ils bloquent l'accès. C'est où? Au Gan Eden. Qu'est-ce que j'ai dit? Après qu'Adam, il a fauté, il a pas réussi l'épreuve, il est chassé. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, il me place là-bas, il écrit, il a placé 2 chérubins, 2 kérouvim, pour bloquer l'accès au Gan Eden. Le Gan Eden, il a une entrée en Eretz Israël. Et là-bas, il y a 2 kérouvim qui sont devant et qui brouillent les pistes. Ça veut dire que tu passes devant, loin, large, tu vois rien, tu trouves pas, tu peux pas rentrer. Comme si il y a quelque chose, mais tu peux pas le voir. Ta tête te dit qu'il n'y a rien. Et pour rentrer, il faut être un malard. Celui qui pense pas par la tête. Nous dit le Bechor Hashor, Bechor Shor, le commentaire, il dit, les kérouvim qui sont placés là-bas devant l'entrée du Gan Eden, c'est quoi sur leur visage, le dessin? C'est pas comme d'hab. C'est quoi? C'est un taureau. C'est un taureau. Et seuls les malachim peuvent dépasser cette image, peuvent ne pas s'y fier. Le taureau, il va te dire, il faut que l'histoire sur ta tête. Sois une bête. Une bête, ça fonctionne que parce qu'elle est capable de comprendre. D'appréhender, d'analyser ce qu'elle entend, ce qu'elle voit, ce qu'elle a envie. Tout ça, elle peut.
plus elle ne peut pas. Toi, tu dois être capable de voir, d'avoir envie, de comprendre, d'analyser, de dire je m'en tape. Autre chose, il y a quelque chose de mieux. Quand tu es à ce niveau-là, alors le taureau ne peut plus rien contre toi. Moshe Rabbeinu vient, avec la clé, c'est l'étape de la loi, il voit le taureau, il jette tout. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas battu le taureau, il n'y a pas la clé. Il n'y a pas la clé. Seulement, il y en a un qui l'a battu. C'est qui? C'est Moshe. Moshe, lui, il est resté dans le ciel pendant 40 jours. Il a atteint le niveau d'un ange, d'un malar. Donc le taureau, pour lui, lui, il a vécu cette épreuve pendant 40 jours. De ne plus fonctionner comme un homme, de ne plus accepter les volontés de l'homme, de ne plus manger, de ne plus boire, de ne plus analyser d'après sa tête. Il a accepté tout ça pendant 40 jours, pas une minute, pas 6 heures comme les Israël où ils ont eu l'épreuve. Mais c'est 40 jours qu'il a fait ça. Alors il dit à Kadosh Barou, Eberana ve ere, parachat va être anan, il dit laisse-moi traverser et je vais voir la terre d'Israël. Pourquoi? Pourquoi il veut absolument, nous dit le Megalé Amukot, quel est le plan de Moshe? Il dit, ben, c'est simple. Si moi j'entre, moi c'est bon, j'ai passé le niveau. Moi je suis bon, je suis un malar. J'ai aucun problème avec les kérouvim, j'ai aucun problème avec le taureau. Et moi, je ne fonctionne plus avec ma tête, je fonctionne avec la parole de la Torah. Donc en clair, moi, ils ne pourront pas m'embrouiller. Ils ne pourront pas me faire croire des choses, me faire analyser des choses, ça ne marchera pas. Donc quand je vais arriver devant les kérouvim, personne ne va voir les deux kérouvim qui sont à l'entrée du Gan Eden. Ces deux taureaux en forme de chérubin. Personne ne peut les voir. Ils ne peuvent pas rentrer. Moi, je peux les voir. Et je peux les détruire. Je vais arriver. Ils vont me sortir leur épée, comme c'est écrit dans Bereshit. Ils ont une épée. Je les déchire. Je passe. J'ouvre la porte. J'donne l'accès au Am Israël, au Etzad Achaïm, l'arbre de la vie qui est celui de la Torah. Et ils mangent. Fin de l'histoire. Pourquoi que nous disent Rachamim, si Moshe Rabbeinu est rentré en Eretz Israël, c'est lui Mashiach. Fin de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il peut briser toutes les frontières. Lui, l'épreuve ultime, il l'a gagnée. Donc il peut la faire pour nous, il va nous faciliter les choses. J'aime lui répondre, Rav Lar, c'est trop. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ça, c'est fort, c'est trop pour toi. Pour toi, ça aurait été bien. Mais pour eux, ce n'est pas bien. Rav Lar, stop. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et on va conclure avec ça. On va avoir une épreuve à la fin. Alors, on a donné l'exemple du feu, ça peut être plein de choses. Ou par A plus B. On va nous dire la Torah, elle est fausse. Par A plus B, on va sentir qu'il y a autre chose de mieux que la Torah. Notre tête va le comprendre, nos yeux vont le voir, nos oreilles vont l'entendre, notre nez va le sentir, notre bouche va le goûter, nos mains vont le toucher. Tout, on va dire, c'est clair, c'est limpide. Il faut arrêter la Torah. Il n'y a pas de choix, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Et nous, on va dire non. On est sûr qu'il faut arrêter la Torah, mais on n'arrêtera pas. On a compris qu'il faut arrêter le droit, mais on n'arrêtera pas. On a vu, on a entendu qu'il faut l'arrêter. On n'arrêtera pas. Parce qu'Hachem, il a dit, il ne faut pas changer. Comment c'est possible? Comment, humainement, on va pouvoir réussir cette épreuve? C'est une question, c'est pas stable. Comment on va faire? Vous croyez qu'Hachem, il ne nous a pas donné les armes pour réussir? Il nous a donné une preuve qu'on fait tous les jours et que toute la planète l'a faite. Que c'est possible? Que ce qu'on pense, ce qu'on analyse, ce qu'on démontre, ce qu'on sent, ressent, est faux. C'est quoi cette preuve? C'est le rêve. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Je suis dans le noir, dans ma chambre, en train de dormir, il n'y a personne. Et pourtant, j'ai les yeux fermés. Je vois. Je vois quelque chose qui est là. Non, il n'est pas là, mais je le vois. Je peux parler. Je peux entendre. Je peux manger. Je peux sentir le goût. Je peux sentir une odeur. Je peux toucher quelque chose. Je vois, c'est clair, c'est là, c'est précis. C'est tellement vrai que si je fais un cauchemar, je transpire. Je vois une réalité indiscutable, du moins tant que je suis endormi. Et puis je me réveille et je me rends compte que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai compris, tout était clair, net, indiscutable, c'est faux. Rabim nous disent, la prophétie, c'est un 60, le rêve, c'est un 60e de la prophétie. Pourquoi c'est un 60e de prophétie? Parce que c'est le premier niveau qui nous permet de sortir de notre réalité. On ne veut pas de nous d'être des hommes. On doit retourner à l'état suprême de l'homme, la limite humaine, et on doit la dépasser. D'être plus que des hommes. Au-dessus de l'homme. Malarim. Ça, c'est ce qu'on attend de nous. Comme on est un malar, on s'entraîne toute sa vie. On fait des rêves, Hachem nous entraîne tous les jours. T'as vu, t'as fait un rêve. C'était clair, hein? C'était précis. T'y as cru, il y avait les preuves. T'as senti, ah, c'était faux.
pour te dire qu'un jour tu vas voir, tu vas sentir, tu vas entendre, tu vas croire, et bien ce sera faux. La seule chose qui est vraie dans tout ce monde, c'est ma Torah. Et ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Et si tes sens te trompent, si ton cerveau te trompe, c'est parce que tu es dans le darat. Et moi, je veux que tu sois au-dessus du darat. Tu sois un malach. Celui qui dit « Naaseh v'nishma ». Je fais. Et après, je comprends. Je comprends pourquoi c'était bien de faire comme ça. Je fais. Haïkar, c'est que je fais ce que la Torah m'a dit de faire. C'était ça, les lourot. C'était le témoignage qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a reprogrammé, il devait nous reprogrammer pour être dans un niveau où on est des malachim, où notre tête, elle est tellement basse. Elle n'est pas importante. Ce qui est au sommet, c'est Dieu. Rien que Dieu. Il n'y a plus de limite. Et on a le rêve pour nous entraîner. On a toute une vie, passer des bonnes nuits, à bien dormir, pour s'entraîner. Avec même la nuit, on travaille. Même la nuit, on travaille. On se prépare. L'épreuve ultime de la fin des temps, ce sera ça. À nous de nous préparer et d'être dans la bonne équipe, Bezrat Hashem. Baruch Adonai le Olam. Amen, ve amen.